Salut, c'est Missa. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite sur mon let's play des vampires. Alors attendez, puisqu'elle a une tête bizarre. Voilà, c'est mieux. Et donc aujourd'hui, dans cet épisode, c'est l'épisode du mariage. Donc je voulais qu'ils se marient dans le parc, mais on peut pas. En fait, j'ai regardé juste avant de commencer l'épisode, prévoir un mariage et tout. Mais ça ne nous propose pas cet endroit, donc je suis dégoûtée. Donc eh ben, je pense qu'on va le faire chez nous. Tout simplement, en fait. Et eh ben voilà. Et donc j'avais acheté des trucs au cas où, mais bon on va les mettre avant. Et donc bah, on va se faire un petit mariage ici. Hein. Voilà, on va se mettre ça comme ça. On va se mettre ça comme ça. Voilà. Après il aurait fallu un tapis rouge. Que ça fasse encore mieux. Ah ouais, ça serait pas mal ça. Attendez, il serait pas un peu mieux lui d'ailleurs? Si. Donc lui, on va mettre ça. On met lui. Non, on va fermer. Voilà! Un petit mariage entre eux. Allez, c'est parti. Bon, par contre, il faut un gâteau de mariage. Ah oui, mais de toute façon, ils peuvent pas en bouffer du gâteau. Ah ouais, donc je vais avoir une note de merde, en fait, pour le mariage. Je viens de réaliser, là. Je viens de réaliser qu'en fait, ça va être un mariage catastrophique. Ça va être marrant. Bon, alors, attendez, si on clique sur elle. Prévoir un mariage, oui. Alors, mariage, oui. Invité, donc le comte et Caleb, on est d'accord. Traiteur, il n'y a personne. Mixologue, il n'y a personne. Musicien, il n'y a personne. Très bien. Ils auraient dû prévoir un truc pour les mariages, pour les vampires. C'est où Maison de l'ail, c'est là où on habite. Oui, c'est notre maison, ça. Ah, ils sont mis sur leur 31. Ah, là on est bien. Donc là on a Caleb. C'est quoi cette tronche? C'est quoi? C'est quoi cette tronche? Ah, et on a le comte. Oh, le comte aussi est sur son 31. Il est même pas en mode vampire. Alors attendez, parce qu'ils sont tous pas en mode vampire, mais deux ils sont en mode vampire. Non, moi je veux qu'on reste en mode vampire. Ce sera mieux. Par contre, boire. Ouais, alors attends, va... Ouais, on va engager quelqu'un, c'est la fête, allez. Ah, oh, il s'est transformé, ça y est. Attends, il est passé où en fait? Je crois qu'il a eu peur. Alors, venez ici. Ouais, on va se le faire tout de suite, le mariage. J'ai trop envie de voir. J'arrive pas à m'y faire qu'elle peut se déplacer super vite. Et Caleb, ta soeur, elle se marie. Et monsieur le comte. Ah, merci. Ah, lui aussi, il peut. Et lui, donc, il se déplace comme ça, en fait. D'accord. Ah, bah voilà. Là, c'est parfait. Vous êtes tous là. On est tous... Voilà. Là, je suis contente. Il se marie entre vampires. C'est... On va plus se mettre comme ça. Bon, par contre, le boire, ça, ils peuvent faire, ça, c'est bon. Par contre, prendre la première tranche, ils peuvent pas, normalement... Surtout, je crois que lui, si je me souviens bien, je lui avais mis dans ses... J'irai voir. Mais je crois qu'il peut pas bouffer une nourriture humaine. Enfin, vous avez compris. J'adore comme le comte, il en a rien à battre. Caleb, il regarde bien, mais le comte, il est là. Ah, il est beau, le ciel. Ah. Attendez, mais vous n'êtes pas embrassé? Je veux un bisou, moi. Embrassé. J'ai pas fait attention. Mais je crois pas, hein. T'as vu, ta soeur, elle s'est mariée. Voilà. Attendez, elle lui a fait peur.
Très bien. C'est mal, Lily, de vouloir faire peur à son mari direct. Attends un petit peu. Ouais. Remercie-le d'être là. Merci. Après boire, oui. Et ça te dit pas, tu nous prépares d'autres boissons? C'est rien, t'es juste dans un mariage de vampires. Tout va très bien se passer. Mais par contre, ça te dit pas, tu prépares des boissons? Parce qu'en fait, je t'ai demandé de... Non, parce que en fait, je t'engage pour que tu fasses des boissons. Si t'en fais pas, comment veux-tu qu'on boit? Les fiancés flirtent l'un avec l'autre. Ah oui, ça je veux bien. Donc le mariage, c'est fait. Est-ce que... Eh ben, est-ce que ouais. Je pense que oui, on va lancer tout de suite parce que ouais. Parce qu'après, il faut prévoir. Donc il va avoir le truc avec, avec Esteban. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer ça maintenant. Ah ouais, en plus ils vont le faire dans le cercueil. Ça va être trop bien la création dans le cercueil du petit. Ah, j'ai cru qu'il allait se casser lui. Par contre lui... Attendez, elle court. Elle a bugué. Ah. T'es pas obligé de te déplacer super vite, hein. Il est pas encore... il a même pas encore commencé à monter, lui. T'as le temps, hein. Ah. On est en train de concevoir un bébé vampire. Oui, donc je sais que les vampires, on le voit qu'à l'adolescence, qui sont différents quand ils sont bébés et bambins. Normalement, il n'y a aucune différence avec un bambin normal. Après, c'est à voir. Je veux voir tout ça, moi. Yes. Et donc là, si je fais un petit test de grossesse, hop, utiliser un test de grossesse. Ça n'a même pas compté comme flirter. Vous êtes sérieux, là? Yes! Ça, c'est cool. Alors, attendez, parce que ça n'a même pas compté comme flirter. Ouais, déclare-lui ton amour éternel. Embrasse-le. Et... caresser la joue. Voilà, ça sera très bien. Manger la nourriture. Ça compte, tes humains? Non, mais parce que sinon, on ne peut pas. C'est dommage, mais bon, si on fait tout le reste. Par contre, le comte, il veut un petit peu d'intimité, non? Ils me font délire quand ils font ça. Voilà, là, ça fait deux. Là, ça fait trois. Merci. Oh, purée, il m'a fait flipper à arriver d'un coup. J'avais oublié à quel point Caleb se mêlait tout le temps de tout. Je vous jure que j'avais oublié. Pourtant, c'est compliqué à oublier. Ah, attends, elle commence à avoir un peu soif. Ah, mais attends, on a le mec chez nous, là, qui prépare les boissons. Ah, pourquoi aller chercher loin? Voilà. Ah, tiens, voilà, va manger. En plus, là, il va falloir que tu manges pour deux, chi. Donc, voilà. Ils vont faire ça en réunion, comme ça, là, vous allez... Attendez, ils dansent, là, pour l'instant? Je crois que t'as pas compris ce qui va se passer, là, dans quelques secondes. Lilith, va manger. Lilith, ton... Non, mais ton repas. Ton repas, il est en train de partir. Lilith? On a dit manger. Arrête de parler avec eux. Manger de la nourriture? Attendez, mais il y en a qui mangent? Mais arrête de parler! Eh, mais il fait quoi, lui, avec ma poubelle? Et ça le fait rire, en plus! Je vais te casser la tête! Ah, il peut encore nous apprendre des trucs? Je crois pas, hein. Elle l'a toujours pas bouffé. Il est toujours debout. Elle a toujours soif. Pourquoi? Ah, ça y est, elle va le bouffer. Ah, je veux qu'on te bouffe, toi. Ah, merci.
Est-ce que lui, il a... C'est quoi ça? Jeter. Mais il a rien d'autre à nous apprendre en fait. Je crois qu'on est au même niveau que lui maintenant, hein. Par contre, on peut pas faire un... On peut pas se faire un petit combat? Ah si, c'était ça que je cherchais. Non, parce que t'as poussillé ma poubelle. Tu l'as fait tomber, donc ça mérite un combat et ça mérite que je te mette ta pâtée. Voilà, toi t'es avec ton frère, hein. Ça c'était évident. Partagez la grande nouvelle, voilà. Dis-lui que t'es enceinte. Monsieur le comte, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait se battre? Je veux une bagarre. Ah, et ces trucs, on peut toujours pas les récolter, au fait? Eh ben non, toujours pas. C'est super long, hein. Par contre, il faudra l'arroser. Allez, mets-lui sa pâtée. Et là, il va... Ah non, c'est à Lilith que j'avais demandé d'arroser. J'ai pas vu, j'ai cru que c'était à Samuel. Je sais pas pourquoi je vais l'appliquer à l'aide maintenant. Oh non, on va perdre! Oups! Ah, bah je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Attendez, bah il a peut-être encore des trucs à nous apprendre alors. Demandez des conseils sur sa relation. Non. Demandez une formation, machin. Est-ce qu'il peut encore nous apprendre des trucs? Il l'apprend là? Ah, il est heureux, ouais. Parce que là, on en est à où? On en est à 4 sur 5. Oh, 20 jours! Donc là, il en a 17. Et devenir un grand vampire, buvez du plasma, utiliser de pouvoir. Et bah, c'est ce qu'on fait! Mais il faudrait peut-être qu'on ait utilisé nos pouvoirs sur quelqu'un d'humain. Le vampire, on peut hypnotiser. J'aimerais bien qu'on termine ça, qu'il soit le grand maître, je vous avais dit ça. Et elle, ben, la descendance, ça arrive, ça arrive, hein, j'y travaille. Ah non, c'est pas le moment de planter. Hein. Elle a quoi, elle, dans ses points de pouvoir? Mais elle est déjà pas mal débloquée. J'ai oublié ce qu'on... Attraction vampirique, contrôler des sims, création de vampires, c'est quoi ça? Sommeil agité. Ah voilà, c'est bien ce qu'il me semblait qu'elle pouvait pas... Estomac affaibli, il va falloir qu'elle mange plus souvent. La résistance au soleil et la vitesse surnaturelle. Je me souviens plus, lui, il va falloir que je regarde si on a des trucs. Attends, mais ça a rien fait! Attendez, mais... Je lui ai dit hypnotiser. Elle est repartie en mode ça a rien fait du tout, c'est normal? Eh mais Samuel, t'es nul en fait! Par contre, est-ce qu'on pourrait... Eh mais ça fait rien! Non mais c'est sérieux là? Ah mais c'est un vampire! C'est pour ça que ça fait rien! Ah mais il fallait le dire plus tôt. Pourquoi il y a un deuxième Samuel Roussel? Je m'appelle bien Samuel Roussel. Il y a un deuxième Samuel Roussel. Et toi aussi, t'es un vampire. Je comprends rien. Il se passe quoi dans le jeu, là? Je comprends pas. Pourquoi il y a un deuxième Samuel et qu'il est notre portrait et mais pas habillé comme nous, il est aussi vampire? Regardez! C'est nous! Je sais pas ce qui s'est encore passé dans mon jeu. Mais je comprends rien. Mais c'est pas grave, hein. Faut juste avoir l'habitude. Y a pas des Sims... Y a pas des humains. Et je peux pas casse dalle. Ah! Dis-moi pas que t'es... Ah! Bah voilà! Ah mince, on aurait dû l'hypnotiser d'abord. Pour nous servir de nos pouvoirs. Ah mais oui, regardez, il est super bas. Ah mais bichoune. Mais va bouffer. Bon après, faudra peut-être que t'ailles dormir alors. Mais lui, par contre, je vous jure, je comprends pas. Eh,
les castales. Ça va mieux? Ça te ressource pas entièrement, hein. Attendez, pourquoi ça descend? Bon, en fait, faut qu'il aille dormir, je pense. On va faire un gros dodo. Ça ira mieux. Sommeil vampirique. Oui! Par contre... toi, de toute façon, t'as pas sommeil. Ouais, voilà. Par contre, je voulais juste voir s'il avait des points. Il en a 11! Réduire la satisfaction. J'hésitais à prendre ça. Ah oui, j'hésitais à prendre ça. Ah non, la résistance au soleil, je veux ça, moi. Et oui, je veux ça. Ah oui, mais je l'avais pas pris parce que je voulais tester la boisson. C'est pour ça. Mais c'est pas grave, on le prend. Voilà, parfait. Bon, va faire dodo parce que t'es dans un état pitoyable. C'est quoi? Ah, mais il y a des verres. Je me disais, attendez, c'est quoi qui brille? Elle a commencé sa grossesse. Le mariage, j'ai l'impression qu'il se termine jamais. Ben, écoute, on va s'arrêter ici. On a encore les deux sims chez nous. J'aurais bien voulu attendre la fin du mariage, mais je crois que c'est la première fois qu'il y a un mariage qui dure aussi longtemps. Voilà, va profiter de ton frère pendant que ton mari dort. On a fini, ça y est. Satisfaction sanglante, manger pour deux, décoration et jeu de mari. Eh ben parfait. Au revoir. Merci. Hein. Et ben voilà, donc ce qui conclut la fin de l'épisode. Je vais juste revendre tout ça pour que ça nous fasse du fric. Hein. Hein, on va pas... On n'est pas non plus milliardaire, surtout qu'il travaille pas. Donc ça nous fera bien du fric. J'espère que cet épisode de mariage de vampire vous aura plu. Donc la prochaine fois, la grossesse. On commence à... Mince. On commence à prendre contact avec Esteban pour le transformer en vampire. Parce que moi, j'ai très envie de voir un Sims qu'on transforme en vampire. Je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine.